frérot, zéro filtre. Nous sommes déjà en poste à Yaoundé. As de Yaoundé. La reine galloise est déjà en poste. Bobo Choma Somène, Osé, Soyoye, Nourin. Maman, mes quotas, ils sont dépassés. Que la femme, si la repose, toi, la maman, on va se reposer quand on va se reposer. On va se reposer quand Dieu va demander qu'on se repose, maman. Nous sommes au combat de Dieu, on ne se repose pas. C'est quand Dieu dit que repose-toi, on se repose. Bobo Choma Somène, on a Soyoye, Nourin. Bobo Choma, maman, j'ai pas mis le soutien ce matin. Ouais, mes choux, je n'ai pas mis le soutien ce matin, oh. J'ai oublié de mettre le soutien, oh, maman. Pourtant, Dieu a changé mon nom, hein. Oh, malardé le souboli, oh, malardé le souboli, oh. Oh, malardé le souboli. Ah, elle est incarnée, là, maman. Pourtant, Dieu a changé mon nom, il doit mettre le soutien, maman. Dieu a changé mon nom, que je dois maintenant mettre le soutien dans ma vie. Oh, l'habitude de ça, oh, ce n'est pas de ma photo. Oh, arrête ma photo, Sandy Odette, oh, maman Sandy Odette. Oh, maman, vous, ma cabo de l'Ouest, oh, Chabonzio, maman chérie, ma cabo de l'Ouest, oh. Oh, maman, ma cabo de l'Ouest. Maman Chabonzui. Maman, j'ai oublié de mettre le boboli. Oh, ma larde de souboli, maman. Alexis Zaza. Alexis voulait que je chante pour lui hier. Yeah. Papa, j'étais fatigué, papa, Alexis. Alexis, darling. Alexis, chérie, là. Oh, Nathalie Ngancha. Elle s'appelle Nathalie Ngancha. Oh, c'est la sœur du village de la reine galloise. Oh, bongo de bongo, koni, fait chamo. Oh, babilo, koni, neimbo. Désolé, je n'ai pas mis le soutien, là. J'ai oublié mes chers frères et sœurs. Maman Nadia Pierrette. Maman Nadia Pierrette. Maman chérie Dalino. Maman Hilary Marco Akemayo. Maman Hilary. Comment papa Hilary, là? Dis-moi si c'est papa ou c'est maman. Baba Hilary. Bonjour, bonjour Kota chérie. Bonjour le bébé de la reine des fleurs de l'île. Bonjour mon bébé chérie. Maman Nandri. Ah, Bilen, vous compliquez souvent vos noms de Facebook. Là. Nandriana Nina. C'est pas facile pour nous de lire aussi souvent les choses comme ça, mes cours. Vous aussi. Bonjour maman Mathieu. Nandri Nina Mathieu. Bonjour maman chérie. La reine le ciel avait fait quoi? Maman Niro, ce n'est pas de ma faute, maman. J'ai grandi sans caleçon, maman. J'ai grandi sans caleçon, maman, lo. Maman, ce n'est pas de ma faute, oh. Maman, j'ai grandi sans soutien, oh. Maman, quand tous les jeunes filles payaient le soutien, moi, j'étais toujours sans caleçon, oh. Et sans soutien, maman. Abigail Tchatcho. Abigail Tchatcho, pourquoi tu as le même prénom que la marraine de Luther? Que la grande femme de. La grande dame de Papi, maman Chabonzui, c'est qui nous a invités dans son range. Maman, elle nous a fait vivre le luxe. Et maman Vanessa Evuna. Et Chabonzui Vanessa Evuna. Tu n'as jamais laissé la reine galloise. Merci beaucoup, Vanessa. Vanessa Evuna, les anciens prophètes qui suivaient la reine galloise depuis le début. Elle ne m'a jamais laissé tomber. Oh, maman Vanessa. Maman Vanessa Evuna. Maman, Ozil Fopa. Ozil Fopa. Ozil Lala Fopa. Maman Ozil Fopa. Oh, bonjour, maman chérie. Pardon mes amours de frères et sœurs. Et il y a la puissance mondiale dans le direct. Et il y a le pouvoir des pouvoirs dans le direct. La maman du gala de la diaspora. La maman de la nuit du folklore. La marraine. Une des marraines. Une des bienfaitrices puissances de Asda. Une des enfants de Dieu que Dieu envoie pour élever Asda.
Oh, j'ai nommé ici maman Djikri Christine. Bon dia menin Djikri Christine. Maman Djikri Christine. La plus belle de sa génération. Le monument de Paris. Lo. Maman Djikri Christine. Maman, je suis à Yaoundé. Maman, je suis arrivée à Yaoundé depuis hier à minuit pour servir les sans-voix. Pour voir les parents de Yaoundé. Maman, le magasin, il n'y a même pas le Rio. On dirait que la diaspora de Yaoundé oublie Asda, les enfants différents. Maman, un monde Bibiani. Maman, un monde Bibiani. Maman dit que Christine, Ndiamène dit quelque chose, bon. Ndiamène dit que Christine, le pouvoir de Paris, le monument de Paris, l'eau. Bonjour maman. Bonjour maman Sarah. Bonjour maman Blandine Ketcha. Bonjour maman Blandine Ketcha. Bonjour maman Doris. Je parlais de Doris Chimilo. Et maman Doris Chimilo. Maman, depuis que j'ai ouvert Asda Yaoundé, ça fait toujours comme ça là. C'est quand je viens que les bienfaiteurs arrivent, maman. Quand je ne suis pas là, c'est difficile. Regardez comment le magasin. Vous savez que la reine qu'elle a fait dans la transparence. Regardez, mais maman. Et il y a tout au magasin, mais regardez la place du riz, maman chérie. Regardez la place du riz. On donne les provisions aux parents chaque semaine, maman. À Asda, ici, ils sont tellement nombreux. Là, il n'y a plus le riz. Il n'y a qu'un sac de riz de 50 kilos. Et les demi-sacs de riz que vous voyez là. Regardez l'huile ici, maman. Regardez, comptez vous-même les cartons d'huile qu'il y a à Asda Yaoundé. Maman chérie. Mais pour le sel, on a tellement le sel. Il y a vraiment le sel, maman, l'eau. Et il y a aussi les couches jetables, maman, l'eau. Ça va suffire pour demain. Le savon, alors n'en parlons plus. Il y a beaucoup de savon, mais maman, oh. Il y a beaucoup de savon, mais maman, oh. Il y a un peu de sardine, oh. Et un peu de brûlis, les brûlis pour les enfants. Maman, papa, y amène. Viens parler un peu ici à la diaspora, c'est ce que nous avons ici, pardon. Viens, viens expliquer. Parce que demain, il va falloir qu'on donne le lait brûlé aux enfants IMC. Le lait avec les couches, j'espère. Entre, tu leur dis bonjour. Tu prends ton temps avant de parler. Voilà, attends. Prends ton temps, tu parles un peu, voilà. Vas-y. Bonjour, bonjour, l'espoir. Bonjour, bienvenue, mes fils du monde entier. Bonjour à tout le monde. Comme vous pouvez constater, le magasin est déjà vidé en riz. Donc, les enfants ont besoin de vous. Ils ont besoin que vous les ravitaillez. Le lait brûlé, c'est combien? Il y a combien de lait brûlé qui reste? 5 boîtes de lait brûlé. Maman, il y a 11 boîtes de lait brûlé. Ça peut suffire aux parents de MC demain? Non, ça ne peut pas suffire parce qu'ils sont plus de 11. Ah bon, hein? Ils sont plus de 11. Donc, si ça ne suffit pas, parce qu'on va attendre quand ça va, il y aura plus, on va les donner. Tu as compris, non? C'est parce qu'on compte plus de 50 enfants IMC. N'est-ce pas, hein? Rien que IMC. Voilà, les couches là-bas, les couches, comment? Les couches vont suffire. Ça va suffire, les couches vont suffire, non? Le savon, il y a le savon. Il y a le savon. Le spaghetti est fini. Le spaghetti est fini. Le riz est fini. Voilà. Le sel va suffire. Ça va suffire, n'est-ce pas? Le biscuit, ça va suffire. Ok, on va faire. On va acheter avec ce qu'on a. Bon. Mes amours de fraises, ce que vous avez vu, non? C'est quand j'arrive ici, les grandes vacances ou bien l'arbre de Noël, que les entrées, qui a l'entrée. Mais dès que je pars, comme on leur donne ça chaque semaine, ça baisse. J'aimerais dire ici à la diaspora de Yaoundé, les enfants qui sont dehors, qui sont de Yaoundé, ici là que. En fait, tous ceux qui sont nés à Yaoundé, qui sont en diaspora, mes amours, prenons aussi l'initiative, s'il vous plaît. Même chaque semaine, vous envoyez un peu, même ces deux de sardurie à Asda Yaoundé. Hein, mes mamans? Vous avez vu Asda Douala. Mais ne vous inquiétez pas. Même si vous n'en voyez pas parce que vous n'avez pas, ce n'est pas un problème. On va faire avec ce qu'on a. Parce qu'on a décidé, nous avons décidé d'élever, de soutenir les familles démunies, ayant des enfants de 0 à 16 ans atteints d'une pathologie, de l'handicap. Nous avons décidé. Et ça, ce n'est pas la voix du Seigneur. Et la voix de Dieu ne manque pas.
ne vous dérangez pas. S'il y a As de Douala, il y a assez. C'est que la reine galloise, par la voix de Dieu, j'ai décidé c'est que quoi. Parfois, quand les bienfaiteurs viendront à Douala avec les dons, parce qu'à Douala entre bien. Quand les bienfaiteurs, là, c'est même comme, prenons un peu l'exemple comme Maman Kaji Marie-Louise. Maman Kaji Marie-Louise donne chaque mois. À partir du mois dernier qu'ils ont apporté, ce mois-ci, que Maman Kaji Louise a apporté les dons pour le mois de février, là, j'ai décidé que ça part à Bafoussam. Vous avez vu, on a servi ça à Bafoussam là-bas. Donc, le mois prochain, maman va apporter encore les dons. Si Dieu, l'oriente, elle revient à Asda le mois prochain, ça vient, comme elle vient toujours à partir de Douala, on va envoyer ça par Global directement à Yaoundé. Donc, à Yaoundé, il ne va plus manquer le riz. S'il manque le riz à Yaoundé, ça veut dire que même à Douala, il n'y a pas. Ce que nous avons à Douala, on va envoyer ça à Yaoundé. Au fait, on va partager avec Yaoundé s'il n'y a pas, pour que les parents de Yaoundé puissent aussi bénéficier la semaine-là. Eh, mes amours. En attendant, les dons financiers que j'ai reçus pendant que je suis au Cameroun, là, j'irai maintenant à la briqueterie, dans les magasins de nos papas à Aladji, à la briqueterie, prendre même 5 sacs de riz, venu ravitailler, venu déposer là. Avec même trois cartons de spaghetti venus déposer pour servir, pour nourrir, pour donner aux parents demain là. Pour partager aux parents demain, mes amours, mes bébés. Pour partager aux parents, ça serait devant vous demain, on va faire le partage. Vous voyez que ça entre, ça sort parce qu'on distribue. On donne un peu comme le système RSA. Même s'il arrive un jour que ce pays a le changement. Et il y aura toujours des associations comme Asda qui vont tous soutenir ceux qui n'ont pas possibilité d'atteindre le changement. Avant de les édifier, d'aller demander à eux, les orienter là où ils vont aussi aller voir aller avoir leur income, leur petit, comment on dit là, leur bénéfique. On va d'abord leur donner comme ça. Même chez nous en Europe, même en Angleterre, au Royaume-Uni où je vis, au pays de Galles où je vis là. Il y a des associations comme, j'ai dit bien dans tous les coins de la rue comme ça, qui donnent les provisions aux sans-voix. J'ai dit, nous-mêmes, on touche le RSA. Je prends l'exemple, hein, on touche là des enfants. Hein. On a encore les associations où on peut aller prendre le riz, le sel. Est-ce que vous comprenez un peu le sens? C'est pas parce qu'un pays est bien qu'il n'y aura pas tous les aides comme ça. C'est pas parce qu'un pays est bien qu'il n'y a pas tous les aides. Parce qu'il y a ceux même que, même quand on donne, ça ne suffit pas. Et les aides toujours de côté là, aide, ça vous donne encore la force. Donc ne dites pas toujours que le gouvernement fait quoi. Donc même nous-mêmes, les associations, c'est notre devoir. En Europe, c'est pareil. En Europe aussi, c'est pareil, mes bébés. Combien de fois alors quand le gouvernement, quand il n'y a pas de loi ici, disons combien de fois il n'y a pas de loi. Je vous ai dit que vous et moi, nous sommes le gouvernement. Le peuple, c'est le gouvernement. Si tu veux que ton pays change, commence à montrer le changement que tu veux que ça soit dans ton pays. Ce n'est pas avec la guerre. C'est en faisant ce que tu dois faire pour qu'on voit que, hey, on peut changer aussi comme ça. Hein. Les enfants du pays sont le gouvernement du pays. Là. Si on se focalise seulement dans l'alcool, dans la vie, le genre on a bu, on a bu, chaque personne mange, c'est rassasié, le suit sa bouche, là, ça ne va jamais évoluer. Si toi, tu as déjà, toi, ma soeur qui me regarde, toi, tu manges tes 3 repas par jour, oh, tu bois ton vin, oh, tes enfants dorment bien, oh, ils vont à l'école en voiture, oh, et que tu ne gères pas le reste, ça ne va jamais changer. Ayons l'esprit de partage. Ayons l'esprit de l'amour entre nous. C'est cet amour-là qui change un pays. Mes amours de frères et sœurs, je ne prêche pas dans le désert. J'espère que ça entre dans les oreilles des vraies personnes qui me regardent. Hein, mes amours. Ne restons pas seulement à faire des directs dans la con du je ne sais pas comment on peut dire. On dirait quoi là? Vilipender les gens. Vilipender les gens. Mettons-nous ensemble, c'est rien. Oui, j'ai eu l'onction de Dieu. Toi, même si tu as la volonté d'avoir l'onction de Dieu, il va te donner cette onction-là. Toi qui me regardes, qui est un personnage public, tu peux faire comme moi j'ai fait là. Tu commences un peu. Regarde un peu ce que ma panne officielle fait. Est-ce qu'il a des milliards? Mais il va au service des sans voix. Même le petit garçon qu'il a regardé là, on appelle qu'il a Clinton, Noël Clinton. Regardez ce que Noël Clinton fait. Aller dans la rue pour laver les malades. Coiffer les malades, c'est un travail à applaudir. À applaudir. Vous voyez que c'est rien. C'est zéro, c'est la visibilité.
Mais au moins, on cherche la visibilité. On cherche la visibilité en faisant ce genre d'acte-là. C'est encore possible. C'est encore bien que de chercher la visibilité en insultant les gens. Que de chercher la visibilité en insultant les gens. Parce que quand tu cherches la visibilité en allant aider comme ça, en lavant les malades, les rejetés, en nourrissant les handicapés, ça veut dire que notre avenir est prometteur. Maman, tu es français, bon, maman, maman. Maman, on dit comme ça, ma co, notre avenir est prometteur, ma. Hey, wami, tounia, mon pied, choisis-moi les cœurs. Au français, des gens, tu peux t'en choisir, mais maman. Oh, qui aurait cru, maman? Oh, depuis que je suis entré dans la maison du gouverneur l'autre jour, maman. Du même, maman, le français aussi a changé dans ma bouche. Ouais. Enfin, je suis sérieuse, hein. Je suis sérieuse. Mais maman chérie, mais papa, mettons-nous ensemble pour un changement. Ça va aller. C'est pas facile, mais essayez. Essayez. Il y a les blogueurs sur les mafoflores de l'île. Tata Lolo Fodia, la compresseur. Beaucoup bien d'autres blogueuses. Vous voyez qu'elles se battent aussi à leur niveau. À faire des récoltes pour aider les orphelins, pour aider les handicapés, pour faire la promotion des associations les associations qui vont vers le bas peuple. La reine des bio, toutes ces personnes-là, tous ces influenceurs-là sur les réseaux sociaux, c'est des femmes que malgré qu'elles ont pris les lignes éditoriales sur les réseaux sociaux, elles aident, elles encouragent. Les directs où on aide, elles partagent. Nous devons applaudir et prier que la paix règne dans notre bloc. Que la paix règne, afin que le bas peuple puisse bénéficier de cet amour-là. Mais quand j'ai bien parlé, mais j'ai mal parlé, pardon, dites-moi. Oh, française, mais... Hey, Aurélie, oh. Ah, ne vous moquez pas de moi, le français, là, parce que j'ai des français comme ça, là. Pardon. Pardon, maman. Pardon. Tout le monde tire le français de son côté. Comme il peut. Je parle comme ma voix aussi, comme ça sonne dans mes oreilles. Aku. Hein, ma voix, Aurélie Toko. Allons faire les courses ensemble. On va à la briqueterie ensemble maintenant, là. Les gars, allons-y. Allons à la briqueterie à Chloré ensemble. Les gars, allons-y alors. Audrey, on va non? Papa Romial, on va acheter le riz. Allons faire les courses. Oui, on va déjà. On fait les courses en direct. On va à la briqueterie faire les courses, acheter le riz. Audrey. Allons-y, bébé, pardon. On doit profiter, on doit gagner sur le temps. Parce qu'après, là, il va falloir que j'aille me reposer. Demain, c'est un autre jour. Demain, les parents seront là. Les parents seront là très tôt le matin. Parce qu'après, dès que je partage ici, là, je prends la route de Douala. Avec mon fils Luther. À Douala, on se repose le soir, là. Le matin, on partage encore à Asdadoua. Vendredi, les parents seront là de 8h30 à midi. Il y a les sacs de macabo, les habits qu'on va partager. On a reçu les bienfaits qui ont apporté les sacs d'habits. On va les partager ça vendredi. Le sac de macabo, l'abonné de Manvou Dorcas Dika a apporté là, on va partager ça vendredi. Demain, il y a deux parents qui vont recevoir les fonds de commerce à l'occasion de l'anniversaire de Luther, comme j'ai promis. À Douala, deux parents vont recevoir les fonds de commerce. Les parents n'ont pas encore reçu. Deux parents vont recevoir les fonds de commerce à l'occasion de l'anniversaire de Luther aussi, comme j'ai promis. Ça serait devant vous. Je le fais devant vous comme ça, dans la transparence, pour vous motiver à aider plus. Oui. Parce que je fais avec vous. Je ne peux pas faire ça seul. Hein, mes amours. Doucement, sur la route, ma reine. Albertine Maza, il n'y a rien sur la route, maman. Ne t'inquiète pas, ma soeur chérie, il n'y a rien sur la route. Même hier, le camion a failli m'écraser avec mes enfants dans la voiture. Hier, à l'entrée de Yaoundé, la route ici au Cameroun, ce n'est pas la route qui est mauvaise. Une route peut être tchakala. Mais les usagers de la route font attention. On ne peut pas comprendre que dans une route comme le Cameroun, les routes du Cameroun, c'est là que les voies ne sont pas bien. Les camions cherchent toi à dribbler en plein phare. C'est inadmissible. On ne cautionne pas ça. On dit non à ça. Comment la route est mauvaise? Mais les usagers de la route, ils cherchent toujours. La route est une petite route comme ça là. Et le camion dribble toujours. Pourquoi toujours boire le vin avant de prendre la route? Pourquoi? Ce sont les camions qui tuent les gens en route, avec les personnels. Les gros cylindres là tuent les gens.
Je vous dis ça aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Les gens qui ont les grosses voitures ici au Cameroun, là, quand ils roulent, ils croient que la route c'est pour eux seuls. Ils croient que la route c'est pour eux seuls. Au lieu qu'ils sont dans les voitures, là, un garçon a dit de têter les pipis. Ne sais pas moi, hein. Pendant qu'ils sont dans les voitures, ils sont en train de conduire, il y a les horos qui tapent les pipis. Qui tapent les pipis. Parce que tu comprends qu'ils sont en train de rouler tout, ils sont tous sur la route, de waouh, ils filent un char. Hein? Ils filent pour aller où? Sur quelle route? Je vous pose la question. Et ils filent sur quelle route? Donc si les usagers de la route respectaient aussi les conditions de route, s'il y a moins de morts, s'il n'y a pas d'accident comme ça chaque fois. Les accidents là, ce sont des personnels. Ce sont des gros bus, les gros porteurs, les gros camions, ce sont eux. Je vous dis la vérité, mes chers frères et sœurs. Moi, je suis là chaque fois, je vois. J'ai tellement les vidéos ici là que si vous, je vous verse, ça vous allez crier. J'ai pas envie de mettre ça sur la toile, parce que mettre ça sur la toile, ça va faire encore les polémiques. Mieux, je parle avec ma bouche, je reste tranquille. Je suis pas là pour la polémique. Hein? C'est quoi ça? Moi, je vois chaque fois arriver au Cameroun, je suis sur la route chaque fois. C'est Dieu ce qui me protège avec mes enfants, avec tous ceux qui m'accompagnent pour le combat. C'est Dieu ce qui nous protège. Les gens là roulent tellement mal. Les fosses de la route. Oui, même les fosses de la route peuvent être fosses de la route. Et que les voitures viennent doucement, ils traversent tranquillement les fosses. Ils ne peuvent pas avoir les fosses sur la route. Toi, la voiture sur la route d'abord n'est pas bien. Tu fais un foie. Donc, en plein femme en plus, tu mets les pas. Tu ne respectes pas le fosse qui est en route là. Mais maman chérie, hier, j'ai failli être persécuté par un gros camion. Mais c'est pas que ma vie appartient à Dieu. Tous ceux qui me suivent là, nous travaillons pour les sans voix. C'est pas la première fois. C'est plusieurs fois que ça m'arrive comme ça. C'est chaque fois. Les gens conduisent très mal. Les gens conduisent très mal, mes chers frères et sœurs. Oui. Les routes là, les gens conduisent mal. La route est ce qu'il est. On ne refuse pas que la route n'est pas bonne. Oui. Les routes ne sont pas bien. On ne refuse pas. Vous avez raison. Mais les gens conduisent mal. C'est le genre, même si la route était bonne, il devait tout faire les accidents. Il devait tout tuer les gens. I'm telling you guys. Avec les feux, en plein phare. Mais chaque fois mon chauffeur roulait doucement, parce que je prends tout le personnel, je dis que moi quand je quitte le Royaume-Uni pour arriver, mon agent de séjour, même c'est pour 3 jours comme on sait, mon père, l'agent de la voiture est déjà à côté. Je ne blague pas la vie de mes enfants. Je prends le personnel, je dis que tu roules à mon rythme. Si le personnel roulait aussi vite, ça devait être autre chose. Chance que ce soit Didier, mon frère Didier que j'étais avec lui. Il roulait qu'à mon rythme. Romiel roule encore toujours à mon rythme. C'était le geste, le bracata aussi en route là. S'il n'y a pas moyen, vous driblez, vous allez où? Vous driblez, vous allez, vous courez pour aller où? Mes chers frères et sœurs, merci mes bébés, merci. Je marche avec l'esprit du Seigneur. Si un jour ça arrive, c'est la volonté de Dieu. Mais ça va pas arriver comme ça. Parce que ma mère est partie comme ça. Ma mère est partie un 22 février 2011, dans Confort Voyage. 30 morts, elle était parmi. Jusqu'au bébé, au nouveau-né qui venait de naître. Ma mère est partie avec donc 30 personnes. Confort Voyage en 2011. Rappelez-vous de cet accident-là. Ma mère était dedans. Le 22 février. Donc, maman, même quand je roulais, j'ai un esprit en moi qui dit que ce que ma mère a eu là, personne d'autre ne va plus jamais avoir ça dans ma famille. Ma mère est partie avec ce qu'elle est partie avec. Personne d'autre n'aura plus jamais ça dans la famille. Maman a lavé ça dans notre famille comme ça. Il n'y aura plus jamais d'accident comme ça dans la famille. Même mes gens qui me regardent là, je prie, je prophétise au nom tout puissant de notre Seigneur. Vous n'allez jamais connaître l'accident dans votre vie. Vos familles ne connaîtront pas l'accident. Où il y aura toujours mauvais accident, vous n'allez pas sortir ce jour-là. Ne vous inquiétez pas. On remet toi entre les mains du Seigneur. 236-94-53. Maman qui demande le numéro, maman Aurélie. Maman Aurélie Toko qui demande le numéro, maman. 694-53-0579. C'est ici la bébé. Mariam Samira Bouaka, c'est moi, maman. C'est moi, mon bébé chéri. Qui a demandé, bébé? Qui a demandé, maman? Qui a demandé le numéro pour faire un geste au sans voix? Merci maman chérie. Merci mon bébé. Merci. Pardon, faites quelque chose dans Mobile Money. PayPal, Twitter. Pardon mon bébé. L'argent est bon à tout le monde. C'est moi, beauté éternelle, peau d'ébène.
Maman beauté éternelle. Maman peau d'ébène. La maman de la belle peau. La plus belle de sa génération. Maman, voici mon numéro, maman. Oh, je vais épingler ma star. Oh, maman beauté d'ébène. Oh, maman, voilà le numéro que Aurélie t'a donné. Maman, voilà le numéro que Aurélie t'a donné. Aurélie Tokolo. Merci, maman chérie. Merci, Chabonzui. Maman, si tu es encore, on va recevoir maintenant. Oh. Merci, maman Lo. Merci, maman chérie. Maman, j'ai envoyé un dépôt de 20 000 hier à Orange. Maman Aurélie, on a bien reçu, maman Lo. Maman Aurélie Chouchoulo. Maman Aurélie Chouchoulo. On a bien reçu, maman d'amour. Merci, maman Aurélie. C'est même les dépôts de 20 000 avec tout ce que vous avez envoyé que je vais encore ajouter ce que j'ai sur ça pour aller payer les sacs du riz pour inviter Asda Yaoundé. Hey, maman chérie. C'est votre argent, mais je vais aller prendre les sacs du riz maintenant, maman Lo. Merci beaucoup, mais maman. Allons-y, mes chéris. On va, hein. Vous devez voir la vie de Yaoundé. Qu'est-ce qu'elle a pu quitter? Si on le coupe, pas prendre l'eau là, moi, pardon. Hein? Qui? Mavis. Non, elle avait l'enfant là-bas à l'hôtel. Elle avait le petit à l'hôtel là-bas. J'étais là passer la journée là-bas, il ne peut pas venir. Nous sommes à la palace, voilà. La salle de fête là, à côté, toujours à côté là. J'ai pris la chambre là-bas pour l'hôtel se repose. Maman, non. Elle a même fait l'hémorragie ce matin. Trop de sécouement là, c'est pas bon pour moi. Elle a coulé le sang ce matin là. Donc, il faut qu'il se repose. J'ai pris l'hôtel là-bas. Vous avez vu, non? Vous allez devant vous, loin au fond là-bas, vous allez voir l'hôtel là, c'est où j'ai pris. Donc c'est tout à côté du centre. C'est lui à coup de oui. Ah, à coup, papa, à coup. Non, c'est à coup, c'est bon. Ouais, mes amis, on va marcher, non? Marion Franck, bonjour bébé chéri. Alors, tu es né pour briller. Et fais briller. Merci pour tout ton courage, dévouement. Qui c'est Michel? Maman, c'est que c'est moi qui est né pour briller, est-ce que ce n'est pas ça? Hein? Peut-être que je suis né pour faire briller les autres, pas moi, maman. Parce que le genre de souffrance que j'ai eu dans ma vie, c'est là, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Je suis né pour briller, j'ai été violé à l'âge, j'ai été victime de viol à l'âge de 13 ans, par trois blacos, trois bangalas géants, maman. C'est facile, ma co, c'est que je suis né pour briller ça. C'est que Dieu m'a vraiment réservé une surprise sur la terre ici, hein? Sans compter les maltraitances. Maman chérie, je ne souhaite pas ça à un enfant de la vie, de vivre ce que j'ai vécu dans mon jeune âge. Non. Les maladies, un genre, tout et tout là, c'est facile, maman. Je suis né pour faire briller les autres. Et je le fais avec plaisir. Dans le prochain monde, quand je veux renaître encore, je serai né pour briller. Je vais naître dans les maisons comme la maison de chez le maire de Bafoussam 2 là. Je vais naître dans les grandes maisons. Là, maintenant, je vais aussi vivre le luxe. Je serai aussi heureuse, maman. Depuis que je suis né, je souffre toujours. Hein. Depuis que je suis né, je souffre. Et je prends ma souffrance comme la bénédiction. Il faut comprendre ça. Je suis né pour briller, maman. Je suis né pour faire briller les autres. Allez, ben chérie, je vous montre la ville de Yaoundé. Voilà. Là, c'est la nouvelle route Colbisson. On vient de sortir du centre comme ça. Là. Voilà, nous sommes sur la nouvelle route. Voici le centre. Voici là où j'ai logé avec Luther. Salle de fête. Là. Hôtel Palace. Donc, salle de fête, non. Voilà, là. C'est tout sur la nouvelle route Colbisson. Nous sommes entre l'hôtel. Tu vas tourner comme ça. Nous sommes entre l'hôtel Palace, là. L'hôtel Palace, c'est avec Institut Istique. Nous sommes entre les deux là. Donc, on va tourner. Va à l'hôtel là. Va à l'hôtel là devant vous. Maintenant, on tourne comme ça. Vous allez voir maintenant l'Institut Istique. Voici le. Voilà. Quand on retourne comme ça. Nous, là, maintenant, on va vers le carrefour mec. Vers Dof. Regardez bien. Hein, parce qu'il y a beaucoup qui viennent là. Ils demandent tout ça. C'est où là? Asda, on est situé où? C'est sur la nouvelle route Colbisson. C'est sur la route même. Regardez bien là, vous allez voir le cité noir là, le tube de forage noir ici là. La route ici là, regardez là où je monte là. Vous avez vu le tube de forage là, non? Voilà, vous avez vu qu'il y a l'hôtel en bas là. Hein? Voilà Asda ici là. Portail vert. Voilà Asda, portail vert. Asda, portail vert qui dépasse là. Voilà ça, il dépasse Asda, voilà portail vert. Voilà. Voilà l'Institut Istig là-bas. La maison ping là. La maison, voici notre maison pierre en rose ici. Petite maison pierre en rose. Voici la maison Istig. Le bâtiment ici avec les drapeaux. Vous voyez, non? Donc, vous venez vers le carrefour MEC. C'est à 15 mètres de l'Institut. Voilà, c'est l'Institut supérieur de tradition.
d'interprétation et communication. Voilà. Donc c'est juste à côté. Voici le Neptune. La station Neptune, tout sur la nouvelle rue Colbisson là. Donc c'est opposé. Quand vous venez vers le carrefour Colbisson là, il faut tourner pour aller à Asda. Mais si vous venez vers le carrefour, mec, c'est comme ça, c'est tout droit. Voici la station Neptune de Colbisson. Mariam Samira Aboubakar, c'est le nom de la reine gardoise, bébé. Merci Chabonzui, c'est ça maman chérie. C'est ça maman d'amour, c'est ça bébé, c'est ça maman, c'est le nom. Voilà, ça c'est tout là, nous sommes tous à la nouvelle rue Colbisson. Bientôt on va entrer au carrefour, mec. Oui, Mariam Samira Aboubakar, avec eux à la fin, oui. C'est ça mon bébé. Mariam Samira Aboubakar, oui, avec eux à la fin de Aboubakar, là, c'est ça. C'est mon nom. Vous savez que ma grand-mère venait de chez les Peuls, donc c'est normal que j'ai ce nom-là. Ne dis pas que ce nom-là, c'est le nom des musulmans. C'est mon nom là-bas. Même notre roi de Barenté, là, il a le nom des musulmans. On veut essayer de lui, mais il a le nom des musulmans. Ne demandez pas trop. Je suis un enfant qui est de plusieurs villages. Je suis moi Barenté à 100%. Non. Je suis mélangé. On descend comme ça. Pas mon colossal, non, Yams. Tu vas descendre comme ça, aller tout droit. Je connais bien là aussi jusqu'à. Non, tu ne peux pas aller tout droit, tu vas descendre après, tu vas monter au prochain. Ouais. Oui, tu descends quoi d'abord. On part à la briqueterie. Non, on va partir, toi, on va monter pour aller pour passer vers le 7. Ah, bon, si je fais la briqueterie, si elle est ici. Mais on va aller rentrer la briqueterie, pourquoi? Il n'y a pas la briqueterie, tu vas faire le retrait, là, tu vas l'appeler, tu fais le retrait, tu me dis, tu fais le retrait. Ou bien, il y a le retrait, mais dans la briqueterie là-bas, non? Partons, oui, on va faire le retrait là-bas pour. Acheter les choses. Tiens, car non. Maman, Bénédicte, merci, maman chérie. C'est la volonté de Dieu, maman. Et c'est même ma volonté de même pour moi avoir le cœur en or, maman. Pardon, c'est la volonté de Dieu, ma star chérie. C'est pas facile, hein. Au cas où tu prends à droite. Voilà ce qu'il dit, au cas où il prend à droite. Il monte seulement, non. Voilà. Je connais la roue, comme si. J'ai tellement fait la roue avec Didier Ké. Je connais bien la roue, là. Voilà, tu montes comme ça, là. On va aller passer vers le 7. Le cèdre où on met beaucoup de gens là. Ouais, le cèdre, les fameux cèdres. Le cèdre, c'est populaire jusqu'à. Moi, quand je passe souvent là-bas à côté, je fais tout le signe de croire que le Seigneur, pardon, protégez-moi de cette maison-ci là. Ah, c'est facile, maman. Eh, hey, n'y a maman. Non, maman. C'est pas facile de cider. Bonjour, Clotaire. Bonjour, papa Clotaire. Comment tu vas, papa? Mon père Clotaire Chou. Bonjour, papa chéri. Moi, il y a le téléphone de Asda. Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dedans. Non. On n'a encore rien reçu, eh bien. Maman, on n'a encore rien reçu. Monsieur Orange, elle est maman d'amour. Maman, on attend toujours un maman veut. Un maman chérie. Même si vous ne la voyez pas, ce n'est pas grave. Je vais chanter tout pour vous. Et ça, vous-même, ça ne va pas sur vous, mes bébés. Ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile pour tout le monde. Pour faire comme moi, c'est là, il faut avoir l'onction de Dieu encore plus, plus, plus. Parce que nous, on n'a pas, mais on fait pour les autres. Oh, mais t'es niaï. On n'a pas, mais on fait toujours. On fait, on aide, on aide. Tu n'as pas, tu aides. Il y a des gens comme ça. Quand tu as pour toi, c'est pour donner aux gens. C'est pour donner. Restaurant, c'est d'abord quoi? Chez maman qui. Faut pas être nyanga là-bas. Il y a des restaurants ici. Hey, regarde la place là. Maman, ça c'est le coin des menuiseries. Le coin des menuiseries. Tout Colbisson. Tout Colbisson, non, c'est quoi, monsieur? C'est grave, faut mettre ici là, papa. Comme ils sont en bas là-bas. Regarde les maisons. Les quoi là, les menuiseries. Ça, c'est un lieu de service là-bas. Mais il faut que j'écris le nom. Donne-moi le nom, s'il te plaît, ma mère. C'est Mariam. Mariam, qu'on a écrit là-bas. Là, Mariam là-bas. Il y a quelqu'un qui a écrit mon nom là, bien ici. Elle est où? Voilà le nom ici, bébé. Mariam Samira Aboubakar, voilà c'est ici là, je vais épingler. Non, pas Marianne, c'est Mariam. Mariam avec. Voilà c'est ici. Doris Chimé a bien écrit. Mariam, c'est M-A-M-A-R-I-A-M-E. Et Samira, S-A. Oui, tu vas descendre comme ça. Samira, S-A-M-I-R-A. Maintenant, Aboubakar, c'est avec. Comme Aboubakar, c'est écrit là, mais avec E à la fin. Donc K-R-E à la fin. C'est très simple, mon bébé. Pas Marianne, c'est Mariam. Avec M-E. M-E, bébé. Ah, moi, elle dit, ma comme tu dis quoi, ma soeur chérie? Aujourd'hui, à que dit moi? Aujourd'hui, à que dit? Aujourd'hui, à quoi que nous, l'indien? Aujourd'hui, à quoi que dit maman? Aujourd'hui, à quoi que dit?
Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour les enfants, que le Seigneur multiplie. Ouais, maman chérie. Pardon, maman, que Dieu me bénisse, maman, vraiment, pour que vous venez encore donner, vous venez donner les dons afin qu'on puisse nourrir les 100 voix. Parce que si vous ne donnez pas, la règle va prendre son argent, toujours maître, 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 maman. Ce n'est que Dieu qui m'arrête tout. Chance que j'ai les mamans des États-Unis. J'ai mes mamans, j'ai les mamans de Asdare si je pleure. Et je n'aime pas moi pleurer. Je n'aime pas moi mettre, je dirais, je pleure avant qu'elle vienne donner. Je n'aime pas moi. Pardon, donner même ça que je ne pleure même souvent, non. Ouais, mes chéris. Pourquoi vous avez toujours les gens pleurer avant de venir donner quelque chose comme ça, les? Oh! Pourquoi vous avez toujours les gens pleurer, que je pleure souvent de venir donner? Mais bébé, vous devez tout que je pleure d'abord. Moi, on croit d'abord, il m'a. Quand il se fait un jour, sachez que Asda fonctionne comme ça. Elle a besoin de ça. Je parle surtout des bienfaiteurs de Asda. Parce qu'il y a les bienfaiteurs réguliers de Asda qui donnent chaque fois. Maman, n'attendez pas tout que je pleure avant de venir encore vous lever. Donnez-moi de temps en temps, comme moi je fais aussi. Nous, là, notre enfant là, on est avec elle. On envoie. Même quand elle ne pleure pas, on envoie. C'est vrai, ça va la servir. Ça va servir de faire des choses. Ça va servir de compléter pour le loyer. Ça va servir de comme ça. Mais c'est quand je pleure parce que les mots vont couler à mon nez que les gens appellent. Ils envoient l'argent. Ouais, il va tout pleurer, il n'y a pas de problème. On croit, on y croit. Les salons, moi j'ai les larmes beaucoup. Hein. Même quand parfois, même quand je veux. Je peux seulement parler, seulement que. Je peux seulement penser qu'on m'avait violé quand j'avais 13 ans. Je pleure moi encore jusqu'à. Je pense à ma maladie que j'avais dans l'enfance. Je pleure. Ma cirurgie chronique, elle pleure. Je pense à la maltraitance, je pleure. Hein? Je pense souvent même à mon chien Dragon. Comme Dragon était souvent maltraité là-bas à Brazzaville. Je pleure moi. Les larmes sont beaucoup dans mes yeux. Hein. Vous ne me voyez pas comme ça. J'ai beaucoup de larmes dans les yeux. Hein. J'ai beaucoup de larmes dans les yeux jusqu'à. Galloise, bonjour. Tu es la mini-f. Hein? Bonjour, tu es à la mini-ferme. On appelle ici la mini-ferme. On va aller le ciel. C'est le ciel ici là, non? Hein? C'est le ciel ici, mais c'est quoi? Où? Ici là, non? Hé hey, hé! Hey. Wambo, mais quand t'as regardé le CED là. Oh, Wambo, regarde la chaîne de pouce sur moi, maman. Pardon, passe vite ici à côté. Oh, passe vite, oh. Oh, passe vite, papa. Passe vite, papa. Maman, les chaînes de pouce ne sont pas au-dessus, non. Oh, chaînes de pouce ne sont pas au-dessus, mais. Wambo, passe vite, oh. Wambo, je l'ai montré pour moi là-bas, papa. On va m'appeler que j'ai montré le CED. Pardon, papa, j'ai montré seulement pour les gens font aussi attention. Que ceux qui vous insultent beaucoup sur les réseaux sociaux, là, ils s'abstiennent. Que c'est là-bas qu'ils vont visiter. Maman! Maman! Aïe! Ouais! Aïe, maman! Pardon, maman! Pardon! Elle a dit ma coffre! Ouais! Mais quoi, vraiment les cœurs, non? Vous ne commentez pas! On a dit bâtir la briqueterie, hein! Vous ne pouvez pas bâtir la briqueterie, faire les courses avec moi! Où tu prends à gauche? Tu montres le taxi, monte là, non? Vous ne pouvez pas bâtir la briqueterie! Ici, c'est où? Ici, c'est quelle place ici, mes bébés? Ça, c'est pour monter à la briqueterie. On appelle le quartier, c'est quoi? Il y a un petit peu le quartier, c'est là. Dans le centre-ville, où est le ministère? Oui, dans le bâtiment, c'est là. La route là qui est là-bas. Ah, la route là qui est là-bas. C'est pas le CED. Ah, c'est pas le CED, Sandy. Que c'est pas le CED, Yam. Mais tu sais que c'est le CED, comment? Eh, Yam, il est pas le CED. Moi, on a vu le CED une fois, non? Ils ont écrit SED, c'est ça, non? Voilà, on a vu, il y a aussi, on passe souvent avec le CED là aussi, peut-être qu'on a confondu alors avec l'autre là. D'abord on a écrit Gendarmerie Nationale. Gendarmerie Nationale, non. Ça c'est la rue qui va, voilà l'immeuble et Kang. Yeah, voilà l'immeuble et Kang là-bas. Maman, papa et Kang, bonjour papa. Bonjour papa, immeuble et Kang. Et papa, immeuble et Kang, voilà. Mathieu n'a pas besoin de pleurer, surtout que. Non, non, vous me faites tout pleurer avant de donner quelque chose à maman. Il faut pas dire ça. Quand je ne pleure pas, ça n'entre pas vraiment. Ça n'entre pas, je souffre trop. Je souffre trop, Mako. Quand je ne pleure pas, je souffre trop. Les gens ne